Depuis deux décennies, des superstars de la musique congolaise se sont produits devant des foules plus grandes que jamais. Pour les fans de la musique congolaise, il n'y a pas de sentiment musical plus que d'être dans une foule massive à guichets fermés, lors d'un concert au Stade de Martyrs. Et c'est une expérience unique, qui représente le sommet de la carrière d'un artiste. Eh bien, sur cette vidéo, nous compterons le top 8 des plus grands concerts du Stade de Martyrs. Avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié de notre dernière vidéo. Numéro 8. Héritier Watanabe. Alors que tout le monde doutait de lui, Héritier Watanabe a réussi son pari de donner un spectacle incroyable au Stade des Martyrs, à la soirée du 25 décembre 2022. Il a enflammé une foule de plus de 80 000 personnes, sur la scène. Numéro 7. Papa Wemba. Numéro 6. Bébé Tchanda. Voilà. Bébé Tchanda. Bébé Tchanda. Bébé Tchanda, Yewana, yé. Mardi le 24 décembre 2002, c'est le jour choisi pour le tout premier grand concert du jeune Tchanda. L'enfant prodige s'était imposé au Stade des Martyrs, devant plus de 110 000 personnes. Numéro 5. Fally Ipupa. Le 29 octobre 2022, la superstar Le King, l'aigle Fally Ipupa, a clôturé sa tournée mondiale en terre natale, dans un concert épique au Stade des Martyrs. Avec des pas de danse bloqués, des spectacles à couper le souffle, et une ambiance mémorable devant 120 000 personnes. Numéro 4. Kofi Olomide. C'était le 30 mars 2002, autour de 14h, que Mopao Mokonzi, Kofi Olomide, a électrifié le Stade des Martyrs, devant plus des 130 000 personnes. Numéro 3. Ferregola. Le 24 juin 2023 est une journée mémorable, une date qui restera gravée dans l'histoire de la musique congolaise. C'est le jour où Ferregola a secoué le Stade de Martyrs avec son incroyable spectacle. Point est-il à livrer les plus grands concerts de sa génération, devant plus de 150 000 personnes. Numéro 2. JB Piana. Incroyable mais pourtant vrai, le samedi 15 décembre à l'occasion du concert de vérité offert au public quinois, en guise de cadeau de Noël, JB Piana offre au public venu très nombreux, des plus des 155 000 personnes. En première place, Werason. C'était en 2003 que Wera avait brisé le record du plus grand concert de Stade de Martyrs. C'était pour la première fois que le Stade des Martyrs soit plein à ces niveaux. Le roi de la forêt a réuni plus de 200 000 personnes. Oui. Incroyable, aujourd'hui resté le seul à atteindre plus des 200 000 personnes. Les musiciens congolais espèrent relever ce défi un jour, mais par qui? Car jusqu'à preuve du contraire, Werason garde le record.
Alice Baba ya Mboko. Voilà. Ya Ophelete. Soyez assez. Tout le monde. Tout le monde. Afin de réduire la liste des plus grands concerts de l'histoire congolaise, nous avons utilisé quelques lignes directrices. Tout d'abord, nous avons utilisé les concerts d'où l'artiste lui-même est en tête d'affiche pour voir quel artiste individuel a eu la plus forte fréquentation. Cela signifie que les festivals et autres rassemblements d'une journée avec plusieurs artistes à l'affiche ne comptent pas.